Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Uplectel. Nous sommes à la partie 3, chapitre 3, et on démarre de suite. Installez-vous bien, prenez-vous à boire, à manger, et mettez-vous dans le noir, la qualité d'image sera meilleure. Allez, on démarre de là. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Donc on va un peu tout fouiller. Comme il dit, il faut explorer les glitches de toute façon. Donc allez. Des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux, mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me serres trop fort. Désolée. T'as vu? Il y a une fenêtre cassée et une... Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Des enfants? Qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide! Partez! C'est dangereux! Vous n'avez rien à faire là! Attendez! S'il vous plaît, c'est important! On doit aller lui parler.
C'est lui qui sait où est Laurentius ? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands ? Je ne pense pas, non. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger, et puis c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr.
Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et... ça venait... d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel ? Restez ici. Frère Morel ! Il est fou, il me laisse tout seul. Moi, je suis une pauvre petite chose avec mon frère. Frère Morel ! J'ai peur. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Oh. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain. D'accord. Oh putain! Pourquoi il m'a fait flipper? Oh non! What the fuck? Non! Oh my god! Waouh! Je vais jamais m'en sortir quoi. Bon. Oh mon dieu. Non, reste près de moi. Ils l'ont mangé, Amicia. Ils l'ont mangé. Et d'où ils viennent? Comment il peut y en avoir autant? Frérot, si je te jette en pâture au rat, tu m'en veux? Une fois qu'ils t'ont bouffé, je peux passer, moi. Non? Tu veux pas? Putain. Oh putain, il faut aller où? Il y en a trop. Ils sont partout.
Oh, il faut aller. Oh putain, c'est dégueulasse. Protégez-nous. Il y en a partout. La lumière. Ils ont peur de la lumière. Il faut que j'aille fouiller là-bas. Sur un malentendu. Je sais jamais qu'il y a un truc. Si ça se dit rien, non, on peut pas là-bas. Bon, allez, on va se casser. Ah, c'est bien flippant, hein, cette histoire. C'est un cauchemar. Ah ouais, c'est un Nekmar, hein. C'est un moine. L'autre frère. Fais à ton âme, mon vieux. Fais à ton âme. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après... On trouvera bien. Après, c'est dit. Te donnons pas tes rats. Tranquille, t'inquiète pas, hein. Une fois qu'ils t'ont bouffé, ils ont plus faim. Wow, wow, wow. Comment il peut y en avoir autant? Du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Alors c'est ça leur fléau. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia! Les trois statues! La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Ils font flipper ces petites bestioles là. Voilà. Je vais t'aider. D'accord. J'ai pas un bout de bois à récup, là. Non. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. Yeah. Ne regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. D'accord.
Passe devant. D'accord. Ah, c'est d'une complexité, hein. Oui. Suis-moi. Oui. Excusez-moi, je cherche comment on passe. Allez, monte. Parce qu'il y a du monde en bas. Ils sont tous en train de m'acclamer. Je vais te attendre là. Je reviens. Je reste ici. Oh ouais, tu restes là. Tu bouges pas. Oh, mais ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je crois. Eh ouais, c'est ça. On va passer en même temps. Allez, viens. Tu peux venir. Oui. Mon fils, oui. Mon frère. Je passe devant. Oui, oui. Oh, putain. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. J'ai même pas vu s'il y avait pas un truc à récupérer de l'autre côté du coup. Ah ben non, mais reste là. Sérieux. Non. Et t'arrêtes de me suivre ainsi, hein. C'est quoi? On peut l'utiliser sur les rats? Non, ça sent la bière. Il devait embrasser. D'accord. Ah donc ça, à mon avis, c'est tous des items qu'il faut récupérer pour, je pense, pour un trophée. Un établi. Alors, j'en ai vu un tout à l'heure. Je vais dire tout à l'heure. Je
sur les anciens, sur les premiers épisodes. Une fronde me manque. Non, d'accord, ok. Donc quand c'est rouge, c'est l'emplacement que je peux fabriquer en fait. Non, pas assez de matériaux, ok. Là non plus. Lui, amélioration effectuée, ok. Donc équipement, je peux fabriquer un équipement. Donc en zone c'est l'emplacement libre. Ça c'est quoi? Ah! Équipement, ok, c'est bien. Ça, ça va me simplifier la vie. Je pense que l'attirail pour faire moins de bruit c'était important hein, parce que... Allez, on continue. Pas de drap. Oh non, non. Dans la lumière, vite. Je vois pas de torche. Comment on va faire? T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Ah ben ça c'est fait. D'accord, soyons prudents. Si on va par là, on sera à l'abri. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver, ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement.
Très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche ? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où ? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr ? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Il faut que je me dépêche. Amicia, Hugo ! Qu'est-ce qui se passe ? Hugo ! Parle-moi ! Allez ! Allez ! Calme-toi, Amicia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré. Ces brindilles brûlent trop vite. Je ne pourrai pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ah, j'étais persuadé que je pouvais repasser quoi. Ils brûlent trop vite. Je ne pourrai pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Parfait, merci.
Désolée. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. C'est bon, tu peux venir. Oui, j'arrive. Je connais ce dessin. Un tabard de croisée. Reste ici. Je fais vite. Pas longtemps, hein? Donc, par où on passe, là? Par où on passe? Viens, c'est bon. D'accord. Mais non, mais je peux pas passer par là de toute façon. C'est pas en bas qu'il faut que j'aille. Oui. Oui. Et là, je suis juste venu le récupérer. En fait. Vers la lumière. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Ça m'a l'air bien mieux.
Vas-y, grimpe. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors? J'attends de changer de torche parce que ça va être juste où ils étaient en arrière pour vraiment aller au plus vite en fait. Sinon on n'a pas assez de temps. Amicia, oh, c'est bien dégueulasse. Les murs, les vapeurs, ça brûle la gorge. Non, bon, je croyais qu'il y aurait eu un truc à récupérer, mais non. Là-bas. Bon, mais c'est pas plus mal. On y est, Hugo. Ah. Bon. Cours, Hugo, cours. Arrêtez. Laissez-nous. Waouh. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Bon, eh bien nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour le visionnage. Pensez à vous abonner, pensez au pouce bleu, à mettre les notifications pour voir les vidéos quand elles sont mises en ligne. Et merci à tous, à la prochaine, allez, ciao ciao.